Ok, c'est beau, bon. Fait que là, c'est le choix des tableaux en ce moment. Ça va probablement se finir sur Smashville. Ah, mon dieu, Final Destination, c'est rare qu'on a ça en ce moment. Oh, Cube qui va avec Rob, c'est surprenant, d'habitude il joue toujours avec Yoshi. Oh, le spin dash qui rate. Il faut dire que Sonic, Rob pose quand même un défi majeur, parce que Rob a quand même plusieurs projectiles, ce qui peut canceller le spin dash. C'est disons que Rob est quand même avantagé, mais on sait jamais. Les match-ups, c'est les match-ups, ça reste des statistiques. Quand t'es... Ouais, quand c'est le vrai match, on sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'on a le down smash et le laser, et on voit la jump qui mérite. Sonic avec le grab, est-ce qu'il va essayer de le... Oh, il a essayé de le read avec un forward smash, mais ça a raté. Oh, la toupie. Oh, un beau spin dash qui le pogne directement. C'est très intelligent la façon que Cube joue contre Sonic, parce qu'il sait que à distance, Sonic peut pas faire grand chose. Fait qu'il garde à distance. Tout ça avec la toupie ou avec le laser, mais lorsque Sonic réussit à s'approcher, watch out! Oh, spin dash qui rate. Oh. Un très beau read. Un très beau up smash. Oh, il rate le laser. Oh, wow! Il l'a spiké avec son up base. Moi, sincèrement, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas qu'il va faire ça. Ok. Ouais, c'est quand même une très bonne tactique. La trampoline de Sonic fait pas énormément de dommages, mais ça peut être un outil qui est très utile parce que ça peut canceller des attaques. Ça peut comme un peu débalancer l'adversaire. Encore une fois, le spring. Yomania qui tente une tentative de edgeguard sur Rob. Le hop. Oh, ça passe proche. Oh, il va avec le fameux up smash, le upper de Rob, désolé. Cube, ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas vu, me semble. Oui. Il est revenu. Ouais, mais hein. Il est revenu avec son arme secrète qui est Rob et il prend la première game. On voit que malgré que ça fait un bout de temps que Cube est pas venu, il a pas perdu du poil de la bête. Fait que c'est Cube qui prend la tête 1-0. Contre Yo Maniac. Le projecteur marche plus. C'est bon. Oh, on n'a pas de changement de personnage. Fait que là... Oh, c'est le choix du tableau. Dreamland. C'est parce que t'as sélectionné juste une partie, je pense. Bon. Fait que ce combat-là, ça passe sous sa case pour Yo Maniac. Il est très confiant dans ses skills avec Sonic. Non, c'était quand même très serré, si on peut le dire. Chapeau quand même. Fait que le spin dash crash, la toupie. Cube qui fait la même stratégie que tantôt, c'est-à-dire le garder à distance. Oh, il pile sa toupie.
Retour à l'envoyeur pour la toupie. On dirait que les deux en ce moment essayent de prédire ce que l'autre va faire. Oh, Yo Maniac qui prend le premier stock contre Rob. La balance. Il fait pencher la balance. Oh, le Panic Roll. On dirait que Yo Maniac semble être un petit peu nerveux en ce moment. Oh, et le forward throw et tentative d'edge guard. Mais Cube réussit à revenir. Oh. On peut voir avec Yo Maniac que c'est un joueur qui performe très bien sous pression. Il a vraiment réussi à faire pencher la balance. Parce que, sincèrement, le combat commençait pas en sa faveur, mais bon, il réussit à se remonter, ce qui est très étonnant. On a plusieurs tentatives de grab, le spin dash qui rate. Un grab encore de la part de Cube qui rate. Oh, il va avec la fameuse toupie. Le down smash qui rate, le laser qui rate encore. On dirait que Yo Maniac commence à connaître comment Cube joue. Les contrées. Est-ce qu'on va se ramasser avec un 1-1? Oh, il prend le premier stock, mais c'est quand même pas super stressant pour Yo Maniac en ce moment parce qu'il reste une vie et... Non, malheureusement. Oui, il commence à connaître très bien ses attaques, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Oh, le up grab. Après moi, Yo Maniac croyait que ça allait être la fin, mais non, malheureusement. Oh, et je crois que ça va faire l'affaire. Ah, même pas encore. Non. Et c'est terminé. 1-1. Wow! Quand même, très belle remontée. Très belle remontée, sérieux, le combat a mal commencé pour Yo Maniac, mais il réussit à se remonter, fait que là, il pourrait égaliser 1-1. Fait que là, c'est la rente décisive. Qui va continuer et qui sera sorti du tournoi pour de bon? Le choix du tableau. Il y a une affaire hors game ici, puis le score, je sais pas s'il est bon. Ouais, ben c'est un... Non, il est correct. Puis c'est hors game, puis un game, je pense. Ah, ok, bon, c'est bon. C'est beau. Le choix des niveaux est extrêmement stratégique. Mais ça va probablement se finir sur Smashville. Oh! Je pensais qu'il avait dit Smashville.
Fait que ça va se terminer sur Lilac Cruz, un tableau qui est quand même touché parce que la map bouge. Fait que des fois, l'adversaire peut croire qu'il est correct pour remonter, mais non, la map va prendre un tournant à droite ou à gauche et ça peut complètement débalancer le personnage. C'est un tableau qui est pas choisi très souvent. À part si ton nom c'est Nico, ben c'est lui que tu prends tout le temps. Oh, il reçoit avec le forward smash. Le spin dash. Oh. Oh, c'est très 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 serré à date. 94% contre 86%. Les deux sont tous les deux sur leur premier stock. Laser. Oh! Un read qui... Oh, et oui! Oui. Oui. Cube prend... Yo Maniac perd son premier stock. Mais une remontée est encore possible. On dirait que les rôles sont inversés, là. Parce qu'à la première partie, c'est Cube qui a perdu son premier stock avec un pourcentage haut. Ah! Maintenant, c'est égalisé. Oui. Les deux adversaires... C'est vraiment touché cette map-là pour Sonic. Parce que quand il fait son spin dash, ben, il peut atterrir sur la plateforme du haut. Et lorsqu'il est sur la plateforme du haut, Rob a assez de portée pour pouvoir faire son up smash. C'est pas évident, ça doit être stressant. C'est une petite map, c'est pas facile. Petite map, fait que ça élimine bien des perspectives d'attaque pour Yo Maniac, mais comme on a dit, un comeback est très possible. Même à ça, c'est un combat quand même serré. Oh, le down smash et le laser qui rate. Oh, la fameuse toupie. Spin dash qui réussit. Oui, la remontée. Ah, oh. Cube va tenter de faire un forward smash, mais l'a raté. Alors, il va être capitalisé et c'est terminé. Très, très, très beau match. Une défaite difficile pour Yo.